Voilà, il va nous rester ça, hein. Le mec est mort, mais ça... du groupe restera. C'est ce qu'il y a de plus important, je pense. Des messages dans ma boîte Maurice, @mauriceradiolibre.com, @mauriceradiolibre.com. Alexis, 39 ans, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Dis donc, Maurice, on a touché un gagnant avec cet Arnaud ou c'est moi? Cheers, Alex. Je te répondrai, point de suspension. Ouais, c'est formidable notre Arnaud tout neuf, là. Hein. Ouais, rodage. Nicolas, 36. Ah, qu'est-ce qu'il est marrant, le Arnaud. Je pense que tu devrais lui confirmer que son... Non, c'est un qui est bien, c'est un PS, une morceau d'ici, d'ici, tu vois. Très bien. Véronique. C'est prénom à Géville, hein. Bonsoir, Maurice. En tant que tu es toujours là, c'est cool. Bise à toi. Ouais, toi, t'as pas changé, hein. Fais-en une autre. Fais une autre photo. T'as pas changé, oui, je suis là. Je suis sur YouTube Live, je salue celles et ceux. Ah, qui sont venus regarder ma chemise. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, oui. Benjamin, Marie, émission Arnaque, intervenant payé, comédien. Ce soir, l'exemple concerne Arnaud et la banque. J'écoute depuis un moment, et je me suis aperçu que l'animateur radio, donc c'est moi, l'animateur radio, et ses intervenants avant de passer à l'antenne pour préparer les sujets. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'à chaque fois qu'une personne appelle et qu'elle parle tout d'un coup d'un sujet, en moins de 2 secondes, Maurice lit un extrait. Rapport journalistique en rapport avec le sujet. Ce soir, Arnaud évoque la Société Générale et le Front National en moins de 2 secondes. Maurice se met à lire tout un article assez long sur le sujet. Je dis en moins de 2 secondes. Comment peut-il connaître le sujet de l'auditeur et avoir sous les yeux l'article sans qu'il eût été informé auparavant et donc briefé son auditeur? Ouais, le mythe de l'auditeur payé. Et ouais, bon, l'important c'est que tu l'écoutes surtout, hein, Benjamin. Arrête de parler à tort et à travers, toi, je te fous à la porte. Yann a 33 ans, il est à Avon, il est là. Présent. Céline à 51 à Paris. Oui. L'autre, on ne le présente plus, il n'arrête plus de parler. Tu prends des produits, on a dit, non? Alcool. Ouais, malheureusement, je crains que... Ouais, on va écouter Céline de Paris, je crois. On était avec vous, là. Oui, avec Johnny Hallyday, en fait. Je trouve très malheureux ce qui lui arrive. Enfin, je suis très peiné. Mais pas plus en fait que ça. C'est triste. Oui, mais quand même triste comme tous les gens qui ont cette maladie. Et ce que moi, ce qui me dérange justement, c'est que tout ce que j'entends, c'est en fait, c'est en une sorte de. Bon, comment dire, on en fait un héros de ce mec, c'est le courage qu'il a face à cette maladie. Il n'est pas plus courageux que tous les mecs qui se battent en fait contre ça. C'est juste une putain de saloperie. Mais ce qui me gêne un petit peu, c'est ça. Il est pas plus, c'est moins, pas vrai, en fait. Céline. Il est quand même un peu plus riche. Parce qu'il y en a qui peuvent même pas se piller. Non, mais il est plus. Non, mais voilà, d'accord. Mais tu déplaces le sujet, Yann. Ouais, c'est justement l'inverse de ce que Tapie a dit justement. Bernard Tapie, il a dit. C'est vrai, Tapie a plus un côté. Je suis plus sensible à la limite à la vision de la maladie. Tapis que tout ce que tout le brouhaha qu'on fait autour de la maladie de Hallyday et de tout ce qu'on veut nous faire comprendre. Alors, faut dire aussi qu'il y a les deux traversent une épreuve qui doit être très difficile, hein, je pense. Hein. On mourra tous d'un cancer. Donc je pense que la souffrance doit être terrible. Donc les deux traversent une période très difficile. Et il y en a un qui est, bon, Bernard Tapie, ça a toujours été un mec courageux, un mec la bravade, etc. Donc lui, effectivement, même quand il a le cancer, il dit, moi ça va, je pense surtout à ceux qui sont jeunes et qui n'ont pas eu la vie que j'ai menée et qui se retrouvent dans cette situation. Alors que pour Johnny, on n'entend pas beaucoup. Johnny, on entend son entourage, on entend les autres parler.
Et bon, lui, il a pas la puissance de feu de Bernard Tapie. Donc la situation. Non, mais ce qui est dérangeant, enfin moi je trouve que ce qui me dérange dans le message qu'on entend, enfin en tout cas en ce qui concerne lui, c'est qu'on a l'impression qu'il est très courageux, plus que les autres, plus que des gens qui effectivement n'auraient peut-être pas autant ses moyens. Mais en fait la maladie, si tu veux, s'il doit mourir de cette maladie, il va en mourir. C'est pas l'argent qui va sauver. De toute façon. C'est un truc intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, et ça permettra à tous ceux qui se disent qu'il faut absolument qu'ils aient du pognon et qu'ils sont prêts à ouvrir le ventre de leur maman pour pouvoir prendre un petit billet, il faut penser à ça justement. C'est-à-dire que le pognon, même le pognon, ne te permet pas d'échapper au cancer. Je pense que c'est ce qu'il faut extraire de cette période et de ce dont on est en train de parler, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, bon, tu peux avoir un bateau qui s'appelle Reborn, qui fait 60 mètres de long. Bon, ben à un moment, voilà, t'es couché dans un lit d'hôpital, t'es occupé par quelqu'un d'autre qui avait la même maladie que toi. Tu vois ? C'est les mêmes appareils qui ont été utilisés sur Bernard Tapie, qui a encore dans les mains les 450 000, je sais pas quoi, de la controverse. Le mec qui est pris en charge par sa mutuelle. C'est le même matos, quoi. Ouais, il y a un moment, l'argent ne fait plus rien, quoi. Non, non, tu t'achètes pas une santé. Je suis pas d'accord. Si t'es malade, non, mais non, si. Tu peux être mieux soigné, dans une meilleure condition. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec la guérison. Si tu dois mourir de quelqu'un. Non. Quelqu'un qui va être un peu plus riche. Bon, allez, quelqu'un qui va être riche. Il va d'abord avoir accès aux soins tout de suite, à tous les soins possibles, même les soins palliatifs, tous les soins que tu peux imaginer, même les traitements. C'est à la fin, il y a un débat de côté. Non, mais je veux dire des soins alternatifs, si tu veux. Il peut avoir. Je suis pas sûr. Attends. Tu vas trop vite, Yann Davon. Tu vas trop vite. Ah bon ? Bonne chance. Tu vas trop vite. Les personnes qui soignent les gens qui ont le cancer sont des cancérologues. Ouais. Voilà. Donc, quand tu es et d'ailleurs, si tu regardes les adresses auxquelles vont Johnny Hallyday et Bernard Tapie, à ces adresses-là, il n'y a pas que des gens qui sont pétés de thunes. Il y a plein de gens. Alors, là, on parle de la France, hein, on ne parle pas des pays sous-développés. En France, c'est vrai que peut-être que Johnny Hallyday va avoir une plus grande chambre, tu vois, mais ça sera un plumard médicalisé, ça sera les mêmes fils, tu vois, ça sera. Je suis pas sûr. Les infirmières sont. Mais Yann, en fait, tu veux qu'il s'achète quoi ? Il peut pas s'acheter un hôpital, si tu veux. Tu sais comment ça fonctionne ? Non, mais il s'achète pas. Attendez. Il s'achète pas un hôpital. À un moment, le mec, il est à l'hôpital, quoi. Et alors, il est. Quand les mecs ont beaucoup d'argent, comme les Saoudiens, quand ils sont malades, ils viennent, ils louent une partie d'un hôpital. Ouais. Tu veux. Mais bon, ils louent un hôpital, mais dans un hôpital, il y a des lits d'hôpitaux, il y a du matériel d'hôpital, le coton, c'est du coton, c'est le même coton, quoi, tu vois. On dit pas, oh là là, le mec, il est pété de thunes, donc on va lui trouver un autre coton, on va lui trouver une autre marque d'alcool, d'autres compresses, d'autres ciseaux. On achète, tu vois. Je suis pas d'accord, parce que d'ailleurs, il y a quelqu'un donc, que tu connaissais très bien, même que tu appréciais pas trop, François Mitterrand, il devait mourir 10 ans plus tôt. On lui disait qu'il allait mourir 10 ans plus tôt. Et grâce au bon médecin qu'il avait, il a tenu 10 ans de plus. Pour te dire quoi ? Pour te dire que le médecin qui n'a pas le temps de s'occuper de toi et le médecin qui va s'occuper que de toi, ça fait une énorme différence. Et surtout s'ils sont... Non, parce que les médecins qui s'occupent de Johnny Hallyday et de Bernard Tapie ne s'occupent pas que de Johnny Hallyday ou de Bernard Tapie. Ils s'occupent d'un nombre très important de gens. Et dans les patients de ces gens-là, il y a effectivement des gens qui sont très riches, mais il y a aussi des gens qui sont... Alors, et c'est sûr qu'il n'y a pas des édentés qui touchent la CMU, ça, je suis d'accord avec toi. Mais il y a, la middle class française qui se fait soigner dans les mêmes hôpitaux. Enfin, tu vois, on n'a pas d'hôpitaux. On a l'hôpital de Neuilly pour les gens qui ont vraiment de l'argent. Mais à l'hôpital de Neuilly, il y a un peu tous les gens, en fait. Peut-être que je fantasme, mais pour une fois, j'ai trouvé une comparaison, même si souvent on dit que comparaison n'est pas raison. Mais moi, je rapprocherai les médecins des avocats quand tu as un très bon avocat. Tu fréquentes un peu des mamies en ce moment ou... Non, c'est Eric de Chartres. J'ai fait un vidéo. Oh, pardon, excuse-moi. Et donc, il faut bien que je trouve d'autres influences que toi. Hein. Ouais, et donc, c'est toi qui m'as demandé. Merci. Et donc, voilà. Et donc, je disais tout simplement que lorsque tu as un bon avocat, tu peux t'as plus facilement des choses à t'en sortir, comme quand tu as un bon médecin.
Mais regarde, regarde justement. T'as pris un exemple qui est intéressant, les avocats. Les grandes vedettes avocats du pays, ils s'occupent aussi des pauvres, des gens qui n'ont pas de fric. Hein. Regarde les affaires du moment. Regarde les. Regarde les terroristes et tout ça, ils n'ont pas de fric, hein, les mecs. Mais ils sont représentés par les plus grands avocats de notre pays. Ah bah oui, parce que là, le fric, c'est pas le plus important, c'est la publicité qui est faite autour de... C'est ça, la valeur du client. Je pense que chez les cancérologues, ce qui est important, c'est quand même de réussir, c'est-à-dire de soigner les gens. C'est pas juste de soigner Johnny Hallyday, quoi. C'est de soigner les gens. Donc je pense qu'il y a une... je pense qu'il y a effectivement des gens... Si on regarde, on va chercher, tu veux qu'on cherche ? Il y a l'autre qui va dire que vous êtes payé. T'es en train de me dire que on s'appelle Yann Davon et on s'appelle Johnny Hallyday. Si t'as un cancer, c'est la même chose. Je suis pas sûr. Hein. Je préférais que pour une fois, je préfère être dans le côté de Johnny Hallyday quand même. Mais tu crois quoi qu'on arrive à gérer la grosseur on a des meilleurs soins, on a meilleure chance. Ouais, non, je pense que tu es plus dans le fantasme, en fait. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas... De toute façon, t'as un cancer, t'es je peux finir ma phrase, Céline, ou pas donc, Céline, je peux finir ou pas je pense que les gens qui n'ont pas de... qui ont moins d'argent... Je parle pas des gens qui sont à la CME, hein, d'accord. Je parle des gens qui ont une mutuelle, etc. Ces gens-là... Cette classe-là, chez nous, elle meurt pas tout de suite. Hein. Il y en a plein qui durent parce que les cancérologues s'occupent d'eux. Ben, tu vois, ils ne s'occupent pas que de Johnny Hallyday. Il n'y a pas, si tu regardes dans les gens qui ont le cancer, il n'y a pas que des stars qui vivent plus longtemps. Il y a plein de gens qui sont soignés par les cancérologues qui font le boulot. Okay. D'ailleurs, les médicaments que prend Johnny Hallyday et que prend sans doute Bernard Tapie sont les mêmes, ont été développés par des laboratoires. Il n'y a pas de laboratoire qui développe des médicaments juste pour Johnny Hallyday ou pour Bernard Tapie. Ce sont les mêmes médicaments que pour les autres. Il faut bien que ça serve à quelque chose d'être riche quand même. Oui, donc il y a forcément les avantages. Oui, il y a des avantages autour. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es Bernard Tapie, oui, sans doute, tu ne dois pas t'installer dans la salle d'attente et attendre pendant 2h30 ton rendez-vous. Et quand tu dois appeler pour prendre rendez-vous, on doit te dire « Ah ben non, il n'y a pas de place, revenez dans un mois. » Ou Johnny Hallyday, le cancérologue, il doit s'organiser pour te recevoir plus tôt que si tu es Yann Davon. Mais au bout du compte... Voilà, bravo. Mais au bout du compte, le mec, il va te voir quelques heures plus tôt que les autres, mais il va pas mieux ou plus te soigner. Ce qu'il sait, le cancérologue, il va l'appliquer à Johnny Hallyday et à Yann Davon. Tu vois, il va pas juste se dire, oh là là, Yann Davon, il a pas autant d'argent que Johnny Hallyday, donc j'ai une solution pour pas qu'il souffre, donc je vais pas lui donner parce que c'est pas une vedette. Ben voilà. Et c'est malheureux, ça, c'est malheureux. Je sais pas qui parle. C'est Arnaud. Ouais, non. C'est ça, malheureux. Non, Arnaud, honnêtement, réfléchis plutôt aux musiques que tu as entendues dans l'émission et pose plus de questions. Non, mais je trouve malheureux qu'on donne plus de chance à des personnes riches. Ouais. Pose-toi, allô. Intéresse-toi plutôt aux musiques que tu as entendues dans l'émission, vieux. Laisse-nous parler de ça. Ok, vas-y. Ouais, pour pas qu'on. Tu vois. Non, mais si je te dérange, je te dis. Ah, dès que tu vas me déranger, tu vas le sentir, je te mettrai à la porte. Tu verras, tu vas le sentir toi-même. Non, pour le moment, tu me déranges pas. Non, c'est juste qu'il y a, comme je te dis, il y a des conversations, je pense, t'es pas outillé. Bon, alors. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui, Céline. Qu'est-ce qu'elle a, Céline, vous êtes là? J'ai rien, mais je peux lui donner la main, puis après, ça part en truc. Oui, donc je te la donne, là, vas-y. D'accord, non, en fait, voilà, mais je reviens sur mon truc. Je pense que l'argent n'achète pas tout, et encore moins le moyen de guérir, en fait, et qu'on est tous à un moment égaux face à la maladie, en fait. Et que moi, ce qui me dérange dans ce qu'on nous donne, en tout cas comme message par rapport à Hallyday, c'est qu'il serait plus courageux, plus je ne sais quoi, que des gens qui n'ont ni sa notoriété, ni tout ça, enfin, qui, voilà, ils se battent pareil, de la même manière. Il n'est pas plus ni moins, il est juste comme tout le monde. Face à un truc à un moment qui est juste dégueulasse, qui est une maladie qui tue effectivement la plupart des gens aujourd'hui, et dont on parle très peu.
On parle de longue maladie, on parle de... il y a un tabou qui est encore énorme sur cette maladie-là, sur le cancer, et on meurt de ça essentiellement aujourd'hui. On en parle de moins en moins, en fait. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est ce que je pense. Tu écouteras toutes les dépêches, les machins, les nouvelles sur des gens qui meurent du cancer. On parle de décès de longue maladie. On nomme pas le cancer, en fait. Ah bon? Je sais pas, moi j'ai vu des vidéos de... on s'est peut-être orienté, mais... Je parle pas de vidéos, je parle de la presse... Ouais, mais dans la presse, j'ai vu des vidéos avec... on parle beaucoup maintenant du cancer du sein pour les mecs, on n'en parlait pas avant. De cancer des testicules avec même des gens qui se foutent à poil. Ah d'accord, mais quand tu entends des gens qui sont décédés récemment, tu, ah, oui, tu essayes d'être attentif et tu remarqueras qu'on dit qu'ils sont décédés d'une longue maladie. Je pensais que c'était plus le sida qui était comme ça, mais bon. Alors, alors attendez, c'est pas mon sentiment. Des infos donc, qui vont donner l'impression que c'est piloté. Donc le médecin qui s'occupe de Johnny Hallyday, il faut juste regarder les dates, je ne sais pas trouver les dates. C'est David Kayat, apparemment, donc, qui a soigné ouais, 17 novembre 2017, donc d'accord, donc c'est frais. 61 ans. C'est le mec qui s'occupe de Johnny Hallyday. Donc c'est un mec qui a soigné plein de trucs, mais qui fait avancer la lutte contre le cancer. C'est un niçois de naissance. Est né d'une famille juive tunisienne émigrée dans le sud de la France. Voilà. Ah, il travaille d'arrache-pied. Tu voulais démontrer quoi avec cet exemple? Bah, démontrer que ce mec-là, il ne s'occupe pas que de Johnny Hallyday. Co-inventeur de la spécialité d'oncologie médicale, fondateur de l'Institut National du Cancer. Donc je pense que quand tu es fondateur de l'Institut National du Cancer, t'es pas un mec qui s'occupe que des stars, quoi. Tu t'occupes des gens qui ont le cancer. L'Institut international de cancérologie de Paris, membre direct de l'American Society of Clinical Oncology, à l'origine des grandes campagnes de dépistage national, tu vois. Donc c'est un mec qui s'intéresse pas seulement aux gens riches, quoi. Moi, je suis pas Yann dans ton raisonnement, c'est comment. Après avoir passé plus de 20 ans à la tête du service cancérologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, tu vois. Donc voilà. Faisons à part, ne tournons pas autour, restons que sur les médecins. Imaginons que tu aies la fortune, je te le souhaite, de Johnny Hallyday. Si toi, demain, je te souhaite... Il vaut mieux avoir une fortune un peu plus importante que celle de Johnny Hallyday. Hein. Pardon? Non, mais déjà celle-là, déjà je te souhaite celle-là déjà. Ouais. Bon, bref. Ouais, parce que là, je crois qu'il ne faut pas trop la souhaiter. C'est bien déjà. Non, faut pas la souhaiter celle-là. Non, il vaut mieux pas souhaiter celle-là. Vas-y. Bon, celle qu'on imagine. L'idée, pas celle-là réelle, mais celle qu'on est bien. Si tu avais ça, je parle pas des conditions autour, mais tu irais plus voir le mec dont tu m'as parlé, là, tu irais le voir en courant plutôt que monsieur Michu qui travaille dans un autre machin. Non, j'irais voir le cancérologue qui est à ma portée, qui est près de là où je suis. Ah ouais? Bah oui, j'irais voir le mec qui va pouvoir s'occuper de moi, qui est cancérologue. Et qui va c'est sans pas doute. Ce qu'il a fait, Johnny Hallyday. Il a pas pris celui qui était à côté de lui. Bah si, il a pris celui qui était à côté de lui. Enfin, Hallyday, il a pris de la joue aussi, qui a été un mec qui l'a condamné ensuite. Donc c'est pas forcément justement le mec qui est le plus cher, qui est le meilleur. Ouais, mais... Yann. Attendez, là on est en train de dériver. La question, si j'ai bien compris, Yann Davon, mais vous rectifiez si je me trompe de question. La question est, est-ce que les cancérologues qui s'occupent des stars, des gens très importants de la planète, est-ce qu'ils ne s'occupent que des gens très importants? Moi, non. Surtout, ils s'en occupent mieux. Non, attendez. Après, on va voir pour mieux. Mais d'abord, on regarde. Est-ce qu'ils s'occupent exclusivement des gens qui ont des stars? Donc, à cette question. Oui. Oh, putain, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais intervenir. Bah, tu vois bien que je suis en train de parler, là. Je suis en train de parler, donc je dois me taire pour que tu puisses intervenir, c'est ça? Ouais, ça me ferait plaisir. Voilà, mais ça, on va pas faire comme il est ça. Énorme, il est même si t'as un problème psychologique, je suis pas ton docteur, moi, vu. Hein. Bon. Ah non, mais. Je suis pas ton docteur, c'est bon, je vais finir de dire ce que je suis en train de dire. Ces gens-là ne s'occupent pas exclusivement de des gens qui ont du pognon. Je pense que je vais te mettre à la porte si tu continues à parler en même temps que moi. Donc, ouvre tes oreilles si tu veux continuer à participer à l'émission. Donc voilà, lorsque le mec est cancérologue et qu'il s'occupe, qu'il est chef du service de cancérologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui est l'un des plus grands hôpitaux de Paris et qui est un hôpital populaire, dans le cas, effectivement, des gens qui ont
beaucoup de pognon, mais aussi des gens qui n'en ont pas, et parfois même des gens qui ont la CMU, ils passent à la pitié salpêtrière. Donc tu vois, le mec, il doit, c'est sûr, s'intéresser beaucoup aux gens qui ont plein de pognon, mais pas seulement. Enfin, c'est ça que je veux dire. Tu veux dire que monsieur Intel, qui s'occupe donc le chef de service de la pitié salpêtrière, ben lui, cristallise. Kayat. Ouais, donc lui, il s'occupe même du mec de la CMU. Tu penses vraiment que le mec de la CMU a réussi à avoir un rendez-vous avec ce mec-là? Bon, peut-être pas le mec qui a la CMU. Peut-être pas le mec qui a la CMU, mais bon, j'imagine que sur une journée de 24 heures, le mec, il doit s'occuper des gens qui sont là. Il doit pas dire, ah, attendez, moi, si c'est pas des stars, ça m'intéresse pas. Surtout, surtout s'il est co-inventeur de la spécialité d'oncologie médicale, oncologie, hein. Fondateur de l'Institut National du Cancer, Maurice. Excuse-moi, c'est bien Yann Davant. Non, c'est la proctologie, pardon. L'Institut National du Cancer, l'Institut International de Cancérologie de Paris. Donc ça, c'est pas que pour les stars, quoi. Ah ouais. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre un truc, Yann. Excuse-moi, si je peux y aller. En quoi le fric, en fait, et la personne qui est donc plus connue, parce qu'on parle de ça, c'est en fait c'est un type qui est plus connu que les d'autres spécialistes ou d'autres oncologues ou peu importe, en quoi ces gens-là et l'argent peuvent faire guérir en fait, tout simplement. Ouais, parce que pour moi, lui et son équipe, ils vont pouvoir prendre le temps de s'occuper de la personne et pas de faire de l'abattage. T'imagines que des médecins qui sont moins connus, moins payés, font de l'abattage, ouais, c'est ça que tu veux dire? Ouais. C'est ça que tu dis? Ouais. Ils ont beaucoup moins de temps. C'est grave de penser à ça pareil. Ouais, j'en suis pratiquement sûr et consciente que tu racontes Si je peux me permettre. Ouais, je pense vraiment. Bah, attends, on va écouter l'autre là, avant qu'il fasse caca dans son studio là. Vas-y. Yann, tu m'entends, Yann? Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que des personnes qui sont malades et qui ne sont pas reconnues comme stars ont moins de chances. Franchement, moins de chances d'être guéri, d'être pris directement par des hôpitaux. Puis là, on va faire tout. On va tout faire. Pour Johnny Hallyday, pour d'autres personnes, on va faire un maximum. Mais tout faire de quoi? Tout faire quoi, Arnaud? Tu vas mettre quoi? Au lieu de faire une prise de sang, tu peux en faire 20. Tu peux ajuster au mieux. Tu peux avoir des réunions, regarder, essayer plein de traitements, bien sûr. On guérit du cancer, mais putain, mais vous vous rendez compte de la connerie de ce que vous... J'ai pas dit ça et je l'ai pas pensé. Je dis que tu as de meilleures chances. Tu es en train de le dire. Tu dis qu'on fait plus de prise de sang, plus d'examens. Un cancer, c'est un truc que tu peux soigner ou pas. Ce n'est pas le fric qui va le soigner. Et je te répète mon raisonnement avec les avocats. C'est-à-dire que quand tu as un bon avocat, tu peux mieux t'en sortir que lorsque tu as un avocat commis d'office. Pardon, de quoi tu parles, toi? Mais quel rapport, là, de l'avocat avec le médecin? De quoi tu parles? Eh bien, en fait, lorsque tu as un bon professionnel, c'est-à-dire qui est plus centré sur toi, qui a plus de temps à consacrer et qui a plus une qualité de soins à te proposer. C'est parce que je pense, Yann, d'avant, qu'il y a un truc qui t'échappe, c'est que les médecins, les bons médecins, être des gens qui réussissent. Et l'idée d'être simplement des médecins qui soigneraient 5 personnes, représente dans le monde de la médecine que le mec qui soigne aussi bien les gens qui ont du pognon que les autres et qui ont de la réussite. Parce que plus tu soignes de gens, et plus on parle de toi. Tu vois? Et les cancérologues et les médecins souvent, et les dentistes aussi, aiment bien être des gens qu'on recommande, des gens que l'on applaudit, etc. Et la raison pour laquelle les mecs ne soignent pas que des stars. Sans oublier le deuxième écueil, enfin, ce qui pourrait donner à ta marche un peu raison, c'est le prix des médicaments. Parce que le prix des médicaments pour soigner le cancer est plutôt important. Et que là, effectivement, si tu as plus de pognon, tu peux plus facilement acheter la médication qui va bien que si ta mutuelle refuse de l'acheter. Voilà. Je vais être honnête, j'ai même pas pensé à ça.
Donc j'y avais même pas pensé. Mais moi, si ton mec, alors c'est moi qui va avoir l'argent supposé. Jérôme qui est sur le chat de YouTube dit, mais n'importe quoi, mon père est mort d'un cancer des poumons. Et il a été traité comme une star. Non, je pense que les cancérologues, ils s'occupent de tout le monde, si tu veux. C'est les hôpitaux alors, c'est qui. C'est moi qui. L'argent de Johnny Hallyday. Donc il va y avoir monsieur Mitchum qui lui a fait plein de publications, qui est extrêmement bien reconnu et tout. Et ben moi j'aurai rendez-vous avec monsieur Mitchum, toi tu l'auras pas. Parce que moi je vais passer devant toi. Parce que je vais payer monsieur Mitchum. Non, Mitchum je l'aurai plus tard. Je l'aurai sans doute plus tard. C'est trop tard. Et tu penses que le rendez-vous va te gagner, c'est ça? Bah de l'avoir plus tôt, tu sais que le cancer c'est aussi un truc de rapidité. Non, le cancer c'est un truc de dépistage, Yann, t'as pas compris là, l'histoire en fait. C'est pas le degré des soins. Ensuite, de toute façon, pris à 100% par la sécu, je parle pas de mutuelle. Quand t'as cette maladie, tu es pris à 100%. Donc tous tes soins sont remboursés. Tous. Si tu veux, je crois Yann qu'il y a quand même une part de fantasme. Dans ce que tu dis. Parce que effectivement, dans la salle, je suis d'accord avec toi, si Johnny Hallyday arrive, on le fera moins attendre que si Yann Davon arrive. Je suis d'accord. Si t'appelles, c'est Johnny Hallyday, il y a plein de gens qui espèrent qu'il ne va pas mourir, même s'il y a beaucoup qui espèrent qu'il va mourir, parce qu'il y a quand même des droits de diffusion à récupérer. Non, je déconne. Si tu veux... sur une journée de 24 heures, ils vont faire passer une star ou deux, mais ils ne vont pas attendre toute la journée, ne pas soigner les gens qui sont dans la salle d'attente parce qu'ils n'attendent que d'enchaîner les stars, tu vois. Je pense que là, t'es un peu dans le fantasme. Voilà. Dans le regard qu'ont les gens qui n'ont pas de pognon sur ceux qui ont du pognon, se disent que ceux qui ont du pognon vivent plus heureux, quand ils boivent de l'eau est plus agréable, tu vois. Alors que Johnny Hallyday et Bernard Tapie, quand ils boivent de l'eau, ils boivent de l'Evian, de la Vittel, enfin des bouteilles qui sont à ta portée. Enfin, tu vois, ils n'ont pas une eau spéciale, ils ne boivent pas qu'une eau spéciale. Ils se torchent le cul avec du papier Lotus ou le papier qu'il y a dans les hôtels, enfin tu vois. Le même que tous les gens qui viennent dans l'hôtel. Et ils mangent avec des couverts qui ont été utilisés par d'autres gens dans les restaurants. Tu vois, on ne sort pas des couverts neufs parce que Johnny Hallyday ou Bernard Tapie vient boire. On met pas des verres neufs, des assiettes neuves et des couteaux neufs. Ils ont été lavés et puis voilà, il y a des mecs qui avaient moins de pognon qu'eux et qui étaient moins importants pour le public qui ont mangé là. Tu saisis ce que je veux dire ou pas? Oui, je veux bien écouter ce que tu dis. Même si, effectivement, Johnny Hallyday, il va pouvoir traverser assez rapidement, etc. Mais les médicaments qu'on va lui donner seront sensiblement les mêmes que ceux que correspondront à la recherche et à ce que aux médicaments qu'on a mis sur le marché en France, quoi. Ah ouais. S'il s'agissait de regarder une vedette dans un pays pauvre, là effectivement il y a un traitement qui est complètement différent, je suis d'accord. Mais chez nous en France, je pense pas que le. Enfin tu vois, il y a, c'est sûr, t'as du pognon, donc c'est vrai que tu mec, vous allez me chercher tous les Twix qu'il y a dans la machine, dans la vending machine qui est en bas, si tu veux. Mais bon. L'eau du robinet, c'est l'eau du robinet, quoi. C'est l'eau du robinet, c'est la même dans tout l'hôpital. Il n'y a pas une eau du robinet pour Johnny Hallyday. J'imaginais qu'avec leur argent, ils pouvaient se payer les meilleurs médecins et que ça faisait une différence. Alors, ils peuvent se payer les meilleurs médecins, mais il y a beaucoup de gens qui ont accès à ces médecins. On ne parle pas des gens qui sont dans les camps de réfugiés en France, hein, ou qui vivent dans les cartons. On parle des gens normaux, des gens classiques de la France qui sont... qui ont une mutuelle et qui sont suivis par un médecin normal, quoi. En gros, pour finir avec ça, dans ma supposition, c'était que si toi, t'avais un cancer et que Johnny avait un cancer, il avait plus de chances de s'en sortir que toi, dans la logique. Oui, mais je pense pas. Et si jamais tu regardes, et si tu regardes ce qui s'est passé, ou si tu regardes les gens qui sont morts récemment,
tu verras que dans ta famille, il y a peut-être des gens qui ont vécu plus longtemps que beaucoup d'autres stars. Regarde, là, il y a des chanteurs américains pétés de thunes qui sont morts, ils avaient 30 ans, les mecs. 40 ans. Ouais, il serait peut-être mort avant, hein, s'il n'y avait pas eu le médecin. Et pour répondre à ta question, sans me cacher. D'accord, mais en tout cas, ils ne sont pas morts à 80 ans, comme beaucoup de gens dans le pays. Et si jamais tu regardes les gens les plus. Si tu fais attention aux gens les plus âgés de la planète, ils ne sont pas des gens riches. Le Jeannot allemand, ce n'était pas une personne richissime du pays. Et si tu fais attention sur la planète aux gens qui vivent le plus longtemps. Bah, y a pas forcément que des gens qui ont du pognon. Moi, je veux bien t'écouter, Maurice, puisque sinon je te parle, je vois, j'aurais pas besoin de discuter avec toi. Je veux bien t'écouter, mais juste dire pour les gens qui étaient autour de moi, ma famille, c'est un très mauvais exemple parce que j'en connais justement qui n'ont pas réussi à s'en sortir parce qu'ils n'avaient pas les rendez-vous à temps et qu'on les a fait attendre et voilà. Donc juste pour ça, c'est un mauvais exemple, mais je veux bien t'écouter sinon. D'accord, mais si tu regardes l'ensemble de ce qui se passe dans les hôpitaux en France, hein, on parle de la France et de l'Occident en général, les gens sont plutôt égaux devant les médecins à peu près, quoi. Ce qui change surtout, c'est la périphérie, c'est-à-dire la taille de la chambre, et encore la taille de la chambre, c'est les chambres elles sont déjà faites dans les hôpitaux, c'est quoi, c'est la bouffe peut-être, voilà, c'est-à-dire que quand l'autre, on va lui faire un brouet clair de la de l'hôpital, peut-être que Johnny Hallyday, il y a quelqu'un qui va venir lui apporter un bouffée. Peut-être. J'ai une dernière question. Comment ça se fait que dans tous les autres aspects de leur vie, c'est-à-dire les enterrements, les mariages, tout en fait, tous les aspects de sa vie, c'est mieux. Alors pourquoi la médecine, ce serait pas mieux? Mais parce que leur vie. Aussi parce que contrairement à ce que tu crois, leur vie n'est pas mieux, en fait. Ah bon. Leur vie n'est pas mieux. Johnny Hallyday, quand il passe la frontière des États-Unis, il est comme tous les autres. Hein. Il passe au portique. Il fait la même chose que les autres. Il n'y a pas de privilège particulier. Quand il prend l'avion, bon, il est dans un fauteuil qui a été utilisé par d'autres gens avant lui. Tu vois, il n'a pas un fauteuil neuf. C'est le même pilote pour lui et pour tous les autres passagers de l'avion. Sauf si, une fois de temps en temps, et encore, c'est rare. Il prend un avion privé. Mais un avion privé, ça coûte tellement cher. En général, c'est les boîtes qui en sont les propriétaires. Mais, enfin, tu vois, il faut aussi replacer les choses dans leur contexte, quoi. Johnny Hallyday, il a déjà mangé des petits Suisses, il a déjà mangé des biscottes. Chez lui, les cuillères qu'il a sont des cuillères, quoi. Des verres, les tuyaux qu'il a dans sa salle de bain, c'est pas des tuyaux qui ont été fabriqués spécialement pour lui, c'est des tuyaux, quoi. C'est les mêmes que chez toi. Hein. Bah, si on voulait exagérer, on se dirait, mais ça vaut pas le coup d'être Johnny Hallyday, finalement. S'il a pas une vie mieux que ça, ça vaut pas le coup. Si ton idée d'être Johnny Hallyday, c'est simplement d'avoir une vie avec de l'eau courante, mais qui va avoir un traitement différent de celui des autres gens de la ville, non, ça vaut pas le coup. Johnny Hallyday, je pense que sa force, c'est d'être Johnny Hallyday. Un artiste, un mec qui chante son truc. Et que les gens ont envie d'écouter. C'est d'abord ça, Johnny Hallyday. C'est pas juste une question de pognon, quoi. On va pas se mentir, dans notre société, si tout le monde voulait Johnny Hallyday ou aujourd'hui Justin Bieber, c'est pour la fortune, c'est pour la, tu vois, le truc que ça apporte, quoi, les privilèges. Sinon, ça n'a, tu vois, autant de salle de bain. Il y a peut-être des gens, alors je peux pas me mettre à la place de tout le monde, mais il y a peut-être des gens qui auraient aimé, qui ont rêvé d'être Johnny Hallyday pour pouvoir chanter devant un. Ah ouais. Pour que les gens. Parce que l'une des. Johnny Hallyday, c'est l'une des rares vraies stars qu'on ait en France. C'est-à-dire, c'est un mec, quand les gens ont envie de payer des billets. Ils viennent pas le voir parce qu'il a du fric. Ils viennent le voir parce que c'est Johnny Hallyday, que sa façon de chanter, les chansons qu'il chante, leur plaisent, quoi. Je pense que c'est ça, d'abord, le public de Johnny Hallyday. Ce sont pas juste des gens qui vont parce que le mec a du fric. Non, je parle pas des gens qui vont le voir, des gens qui veulent être comme Johnny Hallyday, qui veulent faire une carrière comme Johnny Hallyday. C'est pas c'est pour chanter, c'est pour savoir plein de pognon et des privilèges qui vont avec. Mais ça, c'est ton regard. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ceux qui ont envie d'être Johnny Hallyday, ont d'abord envie de chanter devant, d'avoir un public qui a envie d'écouter leurs chansons, quoi. Plus que simplement le pognon. Parce que quitte à penser pognon, vaut mieux être Bernard Arnault que Johnny Hallyday, hein, vieux. Parle de fric. Ha ha ha.
Parce que là, lui, il a du vrai fric, par contre, du vrai fricos. Sauf que Bernard Hanon, on n'imagine pas s'amuser, alors que Johnny Hallyday, on se dit, tu gagnes du fric facilement en t'amusant, quoi. C'est facile, entre guillemets, de chanter. Ce qui est faux, hein, mais c'est très facile de faire. C'est beaucoup plus facile de faire du Johnny que de Bernard Hanon. Qu'on pense qu'il a dû faire des études de plein de choses. Finalement, des Johnny Hallyday, on n'en a qu'un seul hein, dans le pays. On n'a qu'un seul mec. On a très peu d'artistes en France qui sont. On a très très peu d'artistes en France qui sont capables de remplir Bercy sans faire que du gratuit, quoi. Il y a quand même beaucoup d'artistes. Qui remplissent Bercy avec 50% de la salle qui sont des invités, des amis, la famille, des copains, des écoles, des gens qui rentrent gratos pour qu'il y ait du monde. Johnny Hallyday, c'est un mec qui a un vrai public chez nous. Donc je pense que ça doit donner envie à des gens d'être Johnny Hallyday. Encore que maintenant c'est un pépé, hein, il a 75 ans le monsieur. Hein. Donc je pense qu'il y a plus de gens qui rêvent d'être Justin Bieber que Johnny Hallyday. Donc voilà, je pense qu'il faut cette obsession de l'argent, souvent que les gens passent à côté de l'essentiel. Tu peux gagner plein de pognon en faisant des choses plaisantes, mais tu fais ces choses parce que tu as envie de les faire, parce que tu sais les faire, parce que... Mais avant d'être des choses qui rapportent du fric, je pense. Parce qu'après, l'argent, c'est un truc très relatif. Très, très relatif. Hein. Y a toujours un mec plus riche que toi. Mm-hmm. Sauf si tu t'appelles. Enfin, ça tout dépend de l'année. Bernard Arnault, qui est très riche chez nous. Bon, comparé au petit jeune en basket de Facebook, c'est un smicard. Tu vois. Donc, l'argent, c'est vraiment un truc très relatif. Et les gens qui ont du pognon, les gens normaux hein, qui ont du pognon, n'ont pas tant l'impression d'avoir du pognon. Tu vois ? J'ai pas compris. Non, ça j'ai pas compris. Les mecs n'ont pas tant l'impression. Ouais. N'ont pas tant l'impression qu'ils ont du pognon. J'ai pas compris. Ça veut dire quoi ? Les gens qui ont du pognon ne se disent pas tout le temps « Ah putain, j'ai du pognon ». Ils se disent pas ça. D'accord. Parce qu'avec le pognon, il y a aussi les difficultés qui vont avec le pognon. Donc les mecs qui ont du pognon, ils essaient d'en gagner plus, ils essaient de pas faire vaciller. Mais en fait, ils sont pas du tout, ils ne se comparent pas avec ceux qui n'ont pas d'argent. Ils se disent pas, ah ouais, moi j'ai beaucoup de pognon par rapport aux autres. Sauf ceux qui ont gagné au loto. Ah ouais. Les mecs qui ont gagné du pognon, qui ont du pognon. Bah, ils ont du pognon, mais ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils aimeraient bien faire, qu'ils peuvent pas faire comme toi, en fait. Je pensais à ça. Je m'étais pas mis à leur place, moi. Bah parce que... c'est souvent... Tu regardes toujours... donc le mec qui a beaucoup de pognon, il regarde toujours celui qui en a plus que lui. Tu vois ? Donc il se dit, putain, j'aimerais bien... réussir à avoir du pognon comme celui qui est là. Quelle tristesse, d'accord. Bah c'est être humain, hein. C'est ouf, ça. Oui. C'est-à-dire qu'il se contentera jamais de ce qu'il a, quoi. Enfin, en règle générale. C'est-à-dire que le mec qu'on va considérer comme riche, c'est pas forcément le mec heureux parce qu'il va pas forcément se contenter de ce qu'il a, d'accord. Okay. Bah c'est rare, hein. C'est rare. Ouais. Si tu regardes les grands drames, d'ailleurs, c'est des gens regarde, tiens, on parlait de Bernard Tapie, la situation de ce mec-là. C'est un mec qui était chanteur au début, qui essayait de faire carrière dans la chanson, et puis qui a gagné du pognon et qui aurait très bien pu se dire, voilà, maintenant j'ai gagné du pognon, je suis bien, j'arrête tout. Bon, ben, il a continué, pour que finalement, les 30 dernières années, il a passé son temps à se battre pour le pognon qu'il avait gagné, qu'il aurait gagné, mais lui a repris mais qui devait rendre et qui a fait finalement qu'il a gagné. Bon, il s'est rien passé dans la vie de Bernard Tapie dans cette période-là. Quand on pense à Bernard Tapie et quand lui parle de lui, ben, il parle de l'OM, quoi. Mais quand il était à l'OM, il continuait à faire, tu vois, à en faire, quoi. À méditer. Ouais, Céline.
C'est endormi, Céline, peut-être, non? Je m'endors pas, mais dès que tu te donnes la main, tout le monde parle sauf moi. Donc, ah, pardon, excuse-moi. Vas-y, Céline. C'est vrai. C'est plaisir. Mais bref, j'arrive pas à concevoir en fait la manière de penser de Yann, mais c'est pas la première fois. Hein, donc, je vais pas redire non plus 10 fois le truc, mais je. Oui, effectivement, quand t'as plus d'argent, tu vas peut-être passer des examens plus rapidement, mais ça ne fera pas de toi quelqu'un qui va guérir plus vite ou guérir tout simplement quand. Et j'arrive pas très bien à concevoir que tu puisses dire un truc pareil. Compris, toi. Avant que Maurice en parle, toi, t'avais déjà cet avis-là, quoi. T'avais pas fantasmé comme moi sur le mec qui va avoir donc les meilleurs médecins, qui tient un peu mieux et tout ça. Non, non, parce que je sais, comme tout à chacun, comment ça peut se passer dans les milieux médicaux. Et, je pense, tu l'as connu toi-même, tu l'as dit. Ouais, mais moi, je connais pas de personne riche qui, tu vois. Bah, riche au point de à l'idée non plus, mais je sais que ça peut effectivement se passer différemment. Je pense que c'était effectivement une géniale idée. On va pas te faire attendre 3 semaines chez toi pour passer un examen. Non, c'est évident. Tu vas le passer en priorité. Mais c'est pas parce que tu te fais passer l'examen plus tôt que tu vas guérir. Ça veut rien dire en fait. Tu vas peut-être avoir droit à avoir des priorités dans les rendez-vous, mais pas dans les soins. Et c'est pas l'argent qui fait que tu vas pouvoir. L'argent n'achète pas la vie, quoi. C'est juste ça. Et c'est le message que moi je disais et qui sort de ce qu'on dit, quoi. Bah avant, tu t'achètes pas une vie. Si t'es malade et condamné, tu vas être condamné. Bah avant, ça me semblait logique. Et puis en même temps, si tu regardes des gens de 74 ans, peut-être autour de toi, ton boulanger, ils sont pas tous forcément malades, en plus. Ouais, faut aussi. Ouais, c'est pas parce que t'as du pognon que t'es pas malade. Bah, par exemple, parlons du sida, parce que le cancer c'est peut-être autre chose. Moi je suis pas au calé, mais c'est vrai que le sida on en parle souvent. C'est vrai que quand t'es riche, t'avais avant, peut-être maintenant c'est plus le cas, mais accès à des la trithérapie vite, des antiviraux qui n'existaient pas avant. Ouais, moi je connais quand même un paquet de mecs qui avaient du pognon et qui en sont morts. Bon, ah ouais. Bah oui. Parce que ça reste une maladie. Ils sont décédés de cette maladie, hein, en fait. Enfin, c'est une hécatombe, mais c'est pas parce que ces gens sont connus et ont vachement de trucs qu'ils s'en sortent. Par contre, on en parle plus qu'effectivement que tous les gens qui meurent tous les jours de ça. Moi, j'avais apporté une nuance, ils s'en sortaient. Hein. J'ai dit qu'ils avaient une meilleure chance de s'en sortir. C'est-à-dire qu'ils étaient sur la ligne d'arrivée, parce que si tu oublies un facteur, c'est le facteur humain, en fait, là-dedans. Parce que quand t'es malade, on n'est pas tous égaux devant la maladie. La réaction de notre corps n'est pas la même. C'est pas parce que t'es mec, parce que t'es Johnny Hallyday, que quand tu prends un aspirine quand t'as mal à la tête, que t'es soigné plus vite que quand t'es le père du clou qui prend le même produit. C'est aussi une question, il y a des gens qui réagissent bien à certains composants, d'autres mal, donc certains qui arrivent à se remettre. Rappelle-toi quand même, Johnny Hallyday, ça fait longtemps qu'il est malade. Quand ouais, même. C'est vrai. Ça fait quand même très longtemps. Et il y a plein de gens. Moi, je connais plein de gens qui ont l'âge de Johnny Hallyday qui sont pas malades. Ils sont pas malades, les mecs. Ouais, mais on aurait pu se dire que si, comme c'est Johnny Hallyday, le mec, il serait peut-être. Si c'était pas lui, il serait peut-être déjà mort, quoi. Vu qu'il est malade depuis longtemps. Là, on est obligé de spéculer. Obligé de se dire serait, etc. Après, on sait qu'il y a plein de gens qui ont l'âge de Johnny Hallyday qui ne sont pas malades. Des gens qui sont pas riches. Qui sont pas pauvres non plus peut-être, hein, mais qui sont pas riches, des gens de chez nous, quoi. Et qui sont pas malades. Pourtant, Johnny Hallyday, il a du pognon. Je veux dire, bon, s'il a du pognon, normalement, il a mangé mieux que les autres, de meilleure qualité, il a pu boire des trucs, hein, il a été plus suivi donc par les médecins qui sont approchés de lui tout de suite dès qu'il avait un truc. Mais finalement, bah, le mec, il a 74 ans, et ça fait combien? Ça fait au moins 10 ans que Johnny Hallyday est malade. Le cancer, ça fait un an, mais précédemment, rappelle-toi, il n'y a pas très longtemps, il était en coma artificiel, on l'avait plongé en coma artificiel, etc. Mais justement, grâce ou à cause d'un mec qui était justement soi-disant un chirurgien extrêmement connu et qui prenait très cher en consultation. Non, mais sans rentrer dans ce détail-là, ce que je veux dire surtout, c'est qu'il y a plein de gens qui ont 14 ans, qui ne sont pas malades en permanence comme Johnny Hallyday l'est depuis à peu près une dizaine d'années.
Bon, en gros, si je résume, Céline et toi, vous croyez pas du tout dans cette théorie, quoi. Ok, d'accord. Non, mais je l'entends bien, c'est parce pas une théorie, que moi, j'ai... C'est pas une théorie, enfin, non, c'est une vision. Pour moi, c'est une vue d'esprit, ce que tu as là. Ouais, okay. C'est ça. Non, je pense... Je te rappelle quand même les éléments, moi... C'est-à-dire que effectivement, je pense que quand tu es Johnny Hallyday, tu attends moins pour avoir un rendez-vous. Ça, je suis là-dessus, je suis d'accord avec toi. Que tu ne peines pas pour acheter les médicaments. Tu vois, tu n'as pas besoin d'attendre, d'être sûr que la Sécu va te rembourser, que ta mutuelle va payer les trucs, etc. pour prendre les médocs. Donc c'est sûr que quand tu es Johnny Hallyday, tu sors ton rendez-vous, clic, 20 minutes après, tu prends le médoc. Mais après, il y a le médoc, quoi. Et ce médoc, on ne l'a pas développé pour Johnny Hallyday et Bernard Tapie, mais on l'a développé pour les gens qui ont le cancer qu'ils ont. Donc il y a plein de gens de tout poil donc, qui prennent ce médicament en France ou en Occident. Et ensuite, la réaction, la rémission du corps, elle est fonction du corps. Je pense qu'elle n'est pas fonction alors, attendez, de la peau du pognon. J'ai un dernier argument. Si tous les médecins se valaient, pourquoi il y en a qui ils sont si cher, plus cher, beaucoup plus chers que d'autres s'ils se valent tous? C'est bien qu'il y ait non, moi j'ai pas dit que tous les médecins se valaient, moi. Je suis pas du tout en train de dire que tous les médecins se valent. Je dis donc simplement ça, c'est que ceux. Dans la maladie. Non, c'est... attends. Moi, je ne dis pas que tous les médecins se valent. Je dis simplement que quand t'as du pognon, tu es soigné par des médecins qui soignent peut-être des gens qui ont du pognon, mais pas seulement. Ils soignent aussi les gens qui ont un peu moins de pognon. Voilà, c'est ça que je dis. Ils font du volume, quoi. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont le cancer en France. Et on soigne beaucoup de gens. Après, de sur quoi repose la notoriété d'un médecin et qu'est-ce qui en fait un ponte ou un mec moi, là, j'avoue, j'en sais rien. Je sais pas ce qui fait. Bah, c'est de la réussite. De... Oui, sans doute. C'est voilà. La réussite. C'est... Ouais. Voilà, c'est la réussite. Mais la réussite, un mec comme ça, la réussite du monsieur, la réussite dont, dont on parle à l'instant. C'est la réussite de ce monsieur, la Kayat, qui était, alors maintenant je crois qu'il est à l'hôpital américain de Neuilly, mais qui a été pendant 10 ans chef de service de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et c'est là que le mec est devenu quelqu'un d'important, à la Pitié-Salpêtrière, qui est un hôpital populaire de public, Paris. Je crois. Comment ? Je crois que c'est public, non ? Oui, hôpital public, ouais. C'est la PHP, là, je sais pas quoi. Donc voilà. Là, t'as compris. Ouais. De toute façon, c'était une spéculation. Donc voilà, bon, très bien, j'entends les arguments. Même s'il est certain que quand t'es Johnny Hallyday et que tu fais un malaise, les moyens pour t'amener à l'hôpital sont sans doute plus importants et plus rapides que si tu t'appelles Yann Davon, encore que chez nous en France. Alors après, il y a la même situation dans les pays pauvres. Ah, effectivement, là, il y a une très grande différence dans les... Dans les pays pauvres, entre les gens qui ont du pognon et ceux qui n'en ont pas. Donc pour être clair, si demain tu as un cancer, Maurice, est-ce qu'il vaut mieux, c'est la même chose que tu sois Maurice ou Johnny Hallyday, quoi. Tu te dis pas, moi je change tout de suite pour avoir Johnny parce que j'aurai plus d'atouts de mon côté. Non, ce sera pareil. Tu te dis, c'est pas... Ouais, je préférerais que tu prennes une autre, comme je t'ai déjà dit. Je vais le faire avec Céline. Ah bah Céline, tiens, puisque t'es là, ouais. bah oui. Je prends quelqu'un. Céline, si demain, et je te le souhaite pas, t'as un cancer, tu te dis, de toute façon, je m'en sortirais pas plus que si j'étais Johnny, donc autant que je reste Céline, quoi. Non, contrairement à Maurice, par contre, lui disait tout à l'heure qu'il irait au plus proche d'où il est, et moi, je pense que j'irais à Paris, en fait. Où je sois. Si jamais n'importe où je sois, sur la terre, en fait. J'ai retenu des choses qu'on m'a dites quand je suis en Corse, en fait, c'est de me dire que le meilleur médecin, c'était l'hélicoptère. Et je pense qu'il y a effectivement des hôpitaux qui sont moins bons. Mais je parle des hôpitaux. Hein. Bah, dans le sud de la France, si t'es en Corse, vaut mieux que t'ailles à Nice. Hein. À Nice, non, justement, non. Ni Nice, ni Marseille, en fait. Et tous les gens qui sont malades en Corse, ils vont à Paris. Alors justement, ce monsieur-là, notre grande star, il a Johnny. Kayat, là, le mec qui s'occupe de Johnny. Ah hein, oui. Donc il est la personne dont on parle particulier. Il a été... merde, j'ai perdu. De toute façon, il a été, maintenant il est à Paris. Ce qui veut bien dire que... Oui, mais ça, j'imagine que c'est l'ensemble de ces passages...
qui ont fait de lui, qui ont fait de lui ce qu'il est. C'est pas juste là où il est maintenant. C'est parce qu'il a été. C'est parce qu'il a été. Parce qu'il a réussi. Non, mais après, il y a aussi Maurice. Hein. Enfin, il y a des études et des enquêtes, plutôt des cliniques en France. Et il y a certaines effectivement cliniques ou hôpitaux qui sont mieux notées entre guillemets dans les soins qu'on leur apporte que d'autres. Ça, je m'en mêle pas. Alors, meilleurs hôpitaux de France. Les meilleurs hôpitaux de France. Le problème, c'est que là, t'es un peu en retard, Maurice. Hein. C'était 2 secondes, hein. T'avais 2 secondes normalement. Ouais, c'est parce que j'ai pas bien travaillé mon. J'ai pas bien vu l'affiche, en fait, qui était. Que j'ai reçue tout à l'heure. Alors, identifiez-vous. Pourquoi 37 hôpitaux. 6 hôpitaux généraux, 7 établissements privatifs, composent ce tableau d'honneur, 50 hôpitaux généraux. En tête, 3 CHU habitués aux premières places du podium, Bordeaux, Toulouse et Lille. Tu vois après, tout dépend de la spécialité. Hein. Traumatisme crânien. Oui, voilà. Attendez là. Tu peux pas. Toi, tu resterais avec la puissance de feu. Ta puissance de feu, tu la gardes, quoi, Céline. Tu prendrais pas celle de Johnny, quoi. Tu te dis pas. Bah, de toute façon, je l'ai pas, c'est le. Non, mais je veux dire, si t'avais à choisir. Mais non, mais moi, je à mon instinct. Donc, je me dis, voilà, je pense que je serais mieux soigné à Paris, parce que je connais mieux Paris, forcément, que là où je serais. Mais tu te dis pas, tu serais mieux soigné si t'avais plus de pognon. Non, du c'est tout. Pas ça, d'accord. Du tout, non, vraiment pas. Je pense que je serais effectivement plus aidé si j'avais une bonne mutuelle qui me ferait passer des examens éventuellement dans des délais plus rapides. Mais c'est tout. C'est que les délais, en fait. Après, les soins sont les mêmes, effectivement, et là, je suis d'accord avec Maurice, c'est que les soins sont les mêmes. Et que t'as la sécu, d'ailleurs, en l'occurrence, c'est même pas la mutuelle. Alors, la sécu prend en charge selon ces longues maladies, comme on les appelle. Le enfin, point à développer le palmarès des 50 meilleurs hôpitaux publics de France étudiés pour la qualité de leur spécialité médicale ou chirurgicale. Sur le podium, on retrouve le CHU de Bordeaux, donc Pellegrin, là-bas, en première position. Celui de Toulouse en deuxième position, troisième position CHU de Lille, qui perd une place par rapport au classement de l'an dernier, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, quatrième, CHU de Tours, cinquième, celui-là j'y suis passé à Tours, hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, je suis passé aussi là, CHU de Grenoble, septième position, CHU de Nantes, huitième, Nancy, neuvième, Rennes, dixième position, donc classement complet, 37 hôpitaliers universitaires, 6 hôpitaux généraux et 7 donc tu vois le meilleur hôpital de France c'est Bordeaux hein. Si jamais il arrive un truc, dis-leur non on va pas à Paris, on va à Bordeaux hein. Mais en fait si toi tu choisis Bordeaux, Céline, enfin si tu choisis pas n'importe quoi, enfin si tu penses choisir un meilleur hôpital, c'est juste pour la qualité des soins, la qualité environnementale, ça va pas être pour les docteurs quoi. Tu te dis pas le docteur il sera meilleur à Paris ou il sera meilleur machin, ce sera pour la qualité des non, soins. Non, pour être très honnête, moi rien, si jamais il m'arrive un truc de si, mais là c'est les spécialités hein, les amis, c'est les spécialités, c'est parce que c'est là où il y a les meilleurs praticiens. Ah d'accord. Oui, c'est pas juste ouais. Ceux qui sont qui ont les meilleures poignées de porte. D'amis éventuels pour me faire conseiller quelqu'un de bien. Parce que si je vous écoute, j'ai l'impression que ils sont tous un peu à la même enseigne et qu'une radio, ça reste une radio. Non, mais ce n'est pas l'argent qui fait la guérison, Yann. Moi, c'est ce que je te dis. Ce n'est pas l'argent qui fait la guérison. Non, mais attention. Et puis ensuite, chaque hôpital a sa spécialité. Il y en a qui sont bons dans le cancer du pied, d'autres qui sont meilleurs dans le cancer de la cornée, etc. Tu vois, il faut. T'as la clinique du genou à Paris, t'as la clinique de l'œil, enfin, t'as tout ça. Justement, t'as tout cette. Et au contraire, c'est une très bonne chose, ces spécialités-là, quoi. Parce que les médecins sont tous des spécialistes, en fait, tous. Ok, moi je vais bien vous écouter, j'ai pas de preuve de ce que je raconte, donc d'accord. Non, mais pas plus que moi, hein. Je te dis juste que j'ai entendu ce que j'ai pu vivre aussi, c'est la même chose, c'est pareil. Par contre, je vais pas me dire qu'avec effectivement beaucoup de fric, tu vas guérir d'un cancer, je trouve ça tellement bizarre comme réflexion. C'est très curieux, quoi. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Que t'avais plus de chance, ce serait trop beau si t'avais des sous et que tu pouvais garder un cancer, ce serait trop beau. Non, mais t'avais plus de chance, quoi. Au lieu d'avoir 20% de chance de t'en sortir, t'en avais 50 ou 60%. Et bon, apparemment, c'est pas. Ouais, mais donc là, enfin, moi je suis pas d'accord. Maintenant, on a chacun son avis. Hein. Non, non. Et puis après, il y a une. Le plus important, c'est la façon dont les soins sont reçus par le corps humain.
Donc, si tu veux, c'est pas parce que tu as du pognon que les médicaments vont être plus efficaces chez toi que chez le voisin. Il peut dormir aussi. Non, mais... Mais quoi ? Ah, j'attends encore qu'on me donne la parole. Bon, très bien. Vas-y, Arnaud, c'est à toi la main. Ensuite, on va faire les procédures de sortie. Allez-y, mais... Arnaud de d'Aubonne, de d'Hermont. Allez, vas-y. Non, mais je vais faire vite. C'est le mot de la fin, tu sais, tu dis toujours le mot de la fin. Ah, j'ai dit ça, moi. Je dis le mot de la fin. Ah bon, j'ai jamais fait attention. Pour ça, ça fait longtemps que je parle. J'ai dit ça, moi, le mot de la fin. Qui veut dire le mot de la fin ? Ah, je dis ça, moi. Qui veut dire le mot de la fin ? Je dis ça. Ah, je sais pas. J'apprends des trucs. C'est bien que tu sois venu, hein. Ah ouais, je t'aime bien. Pour la fin du mot. C'est le syndrome Jean-Jacques Bourdin, ça. Ouais, ouais, tu sais. Arrêtez de dire qu'il parle comme Bourdin. Maurice, il parle depuis très longtemps. Et même s'il est beaucoup plus jeune que Bourdin, il a une façon de parler que j'adore beaucoup, Maurice. Mais il veut toujours pas me dire ce que c'est la musique qui est derrière. Il te l'a dit, c'était Martin Circus. J'étais là quand il te l'a dit. Ouais, non, mais il a dit ça, mais c'est pas ça. Martin ah bon Circus. Pourquoi il te mentira? Non, il a dit ça pour rigoler, quoi. Le Ah bon, parce que tu trouves ça drôle, toi? Le truc qu'on entendait... T'as connu Maurice quand il était sur Skyrock? Tu me demandes à moi? Oui, on l'a tous connu. Tous ici, sur l'antenne, on l'a connu, même Maurice. Ah oui, bien sûr. Mais est-ce que tu te souviens du fond derrière, qui faisait boulou boulou? Tu te souviens de ça? J'avoue que j'étais plus concentré sur ce qu'il disait, moi. Ah, mais moi aussi. Moi, j'adorais ce que disait Maurice. Il était un petit peu plus percutant. Il envoyait dégager. Il y a longtemps que j'aurais dégagé. Il y a longtemps. Ouais. Il y a longtemps que j'aurais dégagé. Et puis, il y avait cette musique derrière que j'adorais, en fait. Ça, c'est autre chose. C'était Super Nana et Carbone 14 avec Jean-Yves Lafesse. Ils avaient une musique aussi en fond, tu vois. La Voix du Lézard, c'était bien aussi. j'ai connu toutes ces années, mais j'ai connu surtout... Moi, j'ai une question pour toi. Pourquoi tu vis dans les souvenirs? Pourquoi t'as la nostalgie comme ça? C'est pas bien ce que tu vis en ce moment? Je vis très bien actuellement, mais je vis avec des personnes que j'ai aimées et que j'adore encore. Et non, je parle de ce que tu vis à la radio. C'est bien aussi ce qui se passe en ce moment. Non, non. Ce que j'ai aujourd'hui, pour être franc, ce que j'écoute à la radio... ce n'est plus la radio d'avant, c'est de la radio manipulée. Ce sont je sais pas si tu écoutes un petit peu la radio, hein, mais à la radio, ce sont des animateurs qui sont manipulés par des dirigeants. Tu vois, ils ont un patron. Ils ont un patron qui leur dit tu fais ci, tu fais ça, tu dis ça. Fais attention, hein. Il y a le CSA, en plus, il y a le CSA. Alors fais attention. Hein. Tu crois que, toi qui écoutais Super Nana, tu crois qu'elle se faisait jamais engueuler, toi? Elle nous disait pas après qu'elle se faisait engueuler. Non. Elle n'avait pas du temps qu'elle était de la remontrance. Ah ouais, c'est quoi ça? Elle se faisait engueuler, mais c'était vite fait, allô? Allô? Il n'y avait pas le CSA à l'époque. Ah oui, il n'y avait pas le CSA à l'époque? Mais non, le CSA, il était... Mais non, crois-moi que le CSA, il était comme ça. S'il y avait le CSA à l'époque, il était comme ça, crois-moi. Il était comme ça. On pouvait dire bite, couille, en... Les salaires, on pouvait dire des marques de cigarettes, Marlboro, Philippe Morin, aujourd'hui à la radio. Je vais te dire, je ne peux pas écouter beaucoup la radio parce que moi, les émissions que j'écoute, on peut dire beat, couille, poil et machin, hein, ça passe. D'ailleurs, malheureusement, c'est ce qui passe le plus, j'allais te dire. Il n'y a plus que ça. Ouais, mais... Moi, ça me dit, mais c'est pas assez, quoi. Pour le cerveau, ça suffit pas. C'est pour ça que pour Maurice, on peut développer un peu plus, mais on peut toujours dire couille, poil, beat. Hein, avec Maurice, ouais. Non, dans les autres radios, on peut le dire aussi.
Et on peut dire que ça, malheureusement. Dès que tu veux dire un peu de truc un peu plus profond, ça c'est moins divertissant. Donc, on peut toujours le dire. Je pense que t'as pas le bon Yann. Le bon angle. Pour. C'est toi, Yann. C'est moi, enfin, je crois. Ça dépend de quelle version tu veux. Non, je voulais savoir à qui je parlais. Yann, les personnes que tu écoutes aujourd'hui à la radio, pour moi, sont manipulées. De toute façon, elles sont manipulées. Si elles veulent dire oui, etc. Ah bon. Non, mais attends, écoute-moi jusqu'au bout. Elles ne le feront pas aussi bien que l'ont fait les autres avant. Bon, très bien. Quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qui va là, je te prie. Ensuite, on va faire la procédure de sortie. Si vous avez appelé, vous êtes là, c'est à toi de parler. Bon. Réglez vos... Ouais, Maurice. Ouais. C'est Dom. Ouais, désolé, je suis en train de conduire, donc il faut appuyer sur le petit micro. Dom, 45 ans, Minneapolis. C'est à toi la main. Donc, vous me dites si vous m'entendez bien, parce que je conduis là, donc il y a peut-être un peu de bruit. Ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai raté le début de l'émission, hein, désolé. Non, mais maintenant, t'as du et maintenant, t'as du pognon, t'as une voiture dont t'entends pas le moteur. Tu oublies pas que je roule en voiture indienne, moi. Ah, donc, ah ouais, c'est vrai. Et j'ai le chauffage, mais à fond, quoi. Il fait, dehors, il fait moins 4. La voiture, quand je l'ai prise, là, c'était un peu froid. Siège chauffant, c'est le premier truc qui chauffe, c'est le siège. Avant d'avoir l'air chaud, tu chauffes le siège. Ça, pour les hémorroïdes, par ouais. Contre, c'est super, hein. Bravo. À Minneapolis. Non, mais on n'a pas tous les mêmes problèmes, hein, Maurice. Ah ouais, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin de siège chauffant, moi. Ah, j'ai pas besoin de siège chauffant, moi, donc j'ai pas d'hémorroïdes. Hein. Ouais. Tout le monde habite pas en Louisiane. Il y a un truc que je vais vous expliquer qui peut amener un élément au débat. Je crois que je te l'avais raconté déjà. Nous, on a fait un truc qui pourrait, on peut peut-être considérer qu'à ce moment-là, certaines personnes vont avoir un meilleur traitement médical que d'autres. Donc nous, à la naissance de nos trois filles, je ne sais plus si je vais raconter ça, on a conservé et congelé le cordon ombilical de chacune des trois filles. Donc en fait, il faut, à la naissance, dans la salle d'opération, tu prends le cordon ombilical, tu as une ou deux heures, donc c'est moi qui devais me charger de ça, tu le mets dans une boîte FedEx spéciale, hein, avec de la glace d'ailleurs, tu l'envoies directement à une boîte qui est en Californie, et il le congèle à très très haute température pour le conserver. Et chaque année, tu veux, on repaye, c'est comme payer une... Tu payes quoi, chaque année pour ce cordon ombilical. Et l'idée derrière ça, c'est que tu paries sur la science et tu te dis que dans... Ouais, tu te dis là, que t'as... Apparemment, de ce qu'ils disent, c'est là où tu as la meilleure conservation de ta DNA. C'est quoi? C'est l'ADN. Et du coup, alors voilà, peut-être ça peut amener une pierre au débat, parce que oui, dans ce cas-là, nos trois filles, si dans 40 ans, elles ont un problème et que pendant 40 ans, on a conservé ça, peut-être en reprenant ces cellules, on pourra faire un traitement pour elles. Mais une autre famille qui n'aurait pas mis le fric sur la table pour faire ça, tu n'as pas le même traitement. Mais donc ça peut peut-être. Sans aller jusque-là, Dom, toi, tu as pris entre avec des moyens aisés, je suppose. Donc avant que tu réussisses, est-ce que tu considères aujourd'hui plus de temps de t'en sortir d'une maladie en ayant tes moyens aisés que lorsque tu n'avais pas autant de sous, quoi. Non, aux États-Unis ou ailleurs. Non, à ce détail-là où je trouve que ça peut vraiment faire une différence. Non, pas vraiment. Ben, le meilleur exemple pour nous, c'est Steve Jobs. Tu vois, il y a des gens qui disent qu'il a eu, je me souviens plus s'il a eu une greffe du foie ou pas. Il avait tout le fric que tu pouvais avoir à disposition et il n'a pas réussi à s'en sortir. Donc non, pas vraiment. Alors bon, bien sûr, on a une meilleure assurance, on aura des meilleurs hôpitaux, meilleur premier service, c'est ce que disait Maurice, quand t'appelles l'ambulance et tout. Bon, ok, avec un peu plus de fric, tu t'en sors peut-être un peu mieux, mais une fois que le cancer est déclaré, surtout aux États-Unis, je sais pas. Ça veut dire, Dom, vraiment... que si un médecin te dit que t'as un cancer aujourd'hui, tu seras pas plus rassuré que moi, quoi. C'est-à-dire que tu seras dans le même état, quoi. C'est-à-dire que tu seras autant la frousse que moi. Tu te diras pas, ça va être un peu plus cool pour moi. Bah, il fera comme toi, il demandera un deuxième avis. Il demandera un deuxième avis, quand même. Ouais. Allez. Bon, déjà, ça se base, on ne sait pas qui d'entre nous a le plus de fric dispo à
français pour se soigner, mais non, aux États-Unis, on ne serait pas vraiment, vraiment rassuré. Ça peut vite coûter ta maison, ce qui est le thème, en fait, de vous parliez de Breaking Bad. Et le thème qui est derrière et qui est extrêmement important dans la série Breaking Bad, c'est qu'en fait, ce prof en science, il commence à trafiquer et à fabriquer de la drogue parce qu'il est diagnostiqué avec un cancer. Et dans le film, il dit, il y a un dialogue hyper intéressant, il dit à sa femme, est-ce que je meurs maintenant de mon cancer ou on se fait soigner et je te laisse toi et nos enfants sans maison parce que ça va nous coûter notre maison. Donc c'est vraiment, tu vois, est-ce que c'est mieux de vivre, d'essayer de survivre un an de plus ou... Il faut arrêter de regarder les films, je pense. Non, mais à la base... Mais, c'est basé sur une... Moi, je sais ce que c'est. Basé sur une réalité, ouais. Mais Dom, à la base, il le fait pour sa famille, surtout. À la base, je crois que c'est... Au départ, il le fait vraiment pour sa famille, pour qu'il soit à l'abri. Pour mettre sa famille à l'abri, mais aussi, ouais. Ça traite le problème qui n'est pas une fiction. C'est basé sur une fiction, mais c'est basé sur une réalité. Tu peux demander à Maurice si tu as un pote à toi aux États-Unis qui est diagnostiqué avec ton cancer. Eh ben, en gros, c'est est-ce que je vends ma maison et je me fais guérir de mon cancer ou est-ce que je laisse mes enfants et je me laisse guérir dans un an, quoi. En ouais, gros, il y a plein de monde qui fait face à ça. Hein. Ouais, mais là, ça veut dire que tu rentres dans mon camp parce que tu es en train de dire qu'avec du pognon, tu as plus de chances de t'en sortir, du coup. Ouais, mais c'est hyper cool. Il y a plein d'Américains qui partent au Mexique essayer de se faire. Ils vendent la maison, ils vont au Mexique et ils essaient de voir s'ils peuvent survivre au Mexique. Donc c'est pour nous, c'est une réalité. Hein. Ouais, ça c'est la situation américaine qui fait effectivement voilà. Que aux États-Unis, en fait, on paie les soins au prix où on devrait les payer en France. Nous, on a choisi de s'organiser pour se donner l'impression que les soins coûtent moins cher, c'est-à-dire qu'effectivement qu'on peut aller voir un cancérologue. De renommée pour 35 euros, pour 40 euros aux États-Unis. Mais le mec, lui, il ne gagne pas 35 euros. Le monsieur là, qui soigne Johnny Hallyday, quand Johnny Hallyday vient le voir, il ne gagne pas 35 euros. Et ce mec-là, il gagne 150 ou 200 euros. Bon, mais le même mec, quand il consulte aux États-Unis, ben, il ne s'est pas camouflé. Il y a pas la communauté ne prend pas en charge la partie cachée de sa rémunération. L'ensemble de la visite est à payer au médecin au cul du camion tout de suite. C'est-à-dire que nous en France on se ment un peu et on fait croire aux Français que les soins qu'un médecin peut gagner 21 euros par patient alors que c'est pas vrai. Un médecin, il ne peut pas gagner 21 euros par patient. Les médicaments qu'on utilise en France, on a l'impression qu'ils coûtent, je ne sais pas combien, 20 euros. Alors que dans la réalité, pour développer les médicaments, etc., c'est beaucoup plus cher que ça. Donc, aux États-Unis, ce sont eux qui paient la recherche. Hein. Nous, on ne paie pas la recherche en France. On reçoit les médicaments qui sont développés ailleurs et ensuite, on les mutualise... Et on alimente le trou de notre sécu pour se donner l'impression qu'ils sont pas chers. Mais aux États-Unis, par contre, tu prends ça de plein fouet, il faut carmer. Sauf si tu as un plan médical et que ce plan médical a été pensé pour que tu sois vraiment soutenu par la société privée en fait, qui s'occupe de toi, la mutuelle en fait. Hein, c'est le même principe que chez nous. Non, mais ou que tu sois riche, Maurice. Bon là du coup je parle pas de toi Maurice mais pour Céline par exemple ou bon je parle pas de Dom non plus mais pour Céline peut-être j'en sais rien mais on connaît tous des gens qui malgré que on est peut-être pas les plus à plaindre mais on en connaît plein ou peut-être même nous-mêmes on fait pas de soins parce que ça coûte trop cher, ça peut être les dents, ça peut être n'importe quoi, il y a des trucs des familles qui se passent de soins parce que c'est aujourd'hui maintenant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après c'est histoire de mutuelle, si t'as une bonne mutuelle, si t'as une mauvaise mutuelle, si ta mutuelle c'est une bonne mutuelle sur je sais pas quoi les dents, elle est peut-être un peu moins bonne sur les oreilles, etc. Parce que bon, les mecs ils font comme les grandes surfaces, hein, ils essaient de voir où est-ce qu'ils peuvent attirer les gens et ce qu'ils vont dépenser le moins comme fric pour pouvoir gagner leur vie, pour pouvoir permettre à certains de nos anciens ministres de faire acheter par la mutuelle un local complet, riche avec l'argent des sociétaires.
Donc il faut faire tout ce calcul. On va faire les procédures de sortie. On va écouter la conclusion de Yann Davon, si vous l'acceptez. Donc jusqu'à quand on va être souvent et tout, beaucoup dans la nostalgie et sans vivre vraiment le moment présent? C'est un peu dommage. C'est bien de se souvenir, mais de là à dire qu'on projette beaucoup de nostalgie là-dedans, chaque période a ses... On se dit qu'avant c'était mieux. Ce soir, on a entendu par exemple Arnaud qui disait qu'elle a... Ah oui, mais Arnaud... C'est numéro, oui, cet bon. Arnaud-là. Non. Pardon, excusez-moi. Oui, c'était mieux avant ceci. Oui, c'était mieux avant. Le cinéma, c'était mieux avant. La télé, c'était mieux avant. Et tout était mieux avant. Bon, il faut savoir raison garder. Je pense qu'il y a des choses qui étaient sympas. Je pense qu'on a de la nostalgie de son passé, de sa jeunesse, mais qu'on projette beaucoup. Et que moi, j'étais content de la vivre, mais je suis très content d'être là. Je ne souhaiterais pas la revivre. Moi, je trouve que plus j'avance, en tout cas, je parle que pour moi, plus j'avance, plus je sais où je vais, plus je fais ce que je veux de mieux en mieux, plus je m'organise mieux. Et... Non, moi, je ne suis pas nostalgique. Je ne reviendrai pas en arrière. Je suis content de l'avoir vécu, mais je ne reviendrai pas en arrière. Et si c'est dans le même état d'esprit, que ça va être de mieux en mieux. Donc, j'ai hâte de voir la suite, au contraire. En tout cas, je pense que le plus important, c'est vivre le moment présent et en tirer le meilleur. Bonne soirée, Maurice, à demain. Ok, André, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. Ouais, parfois, les gens pensent que c'était mieux avant parce qu'ils étaient eux-mêmes étaient mieux avant. On va écouter la conclusion d'arnaud à Hermont. Aubonne. Arnaud Aubonne, 47 ans. Comme d'habitude, j'aime bien ton émission. Je sais pas si Yann Davon m'entend. Après, j'ai envie de dire que tout simplement. C'est pas évident ce que je vais dire, mais en France, on a la chance d'être un peu soigné, d'être soigné. On a la chance d'être soigné, quelle que soit la maladie. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, qu'on ait une CMU ou je ne sais quoi, on a la chance. Aux États-Unis, je ne suis pas sûr. Aux États-Unis, je ne suis pas sûr. Franchement, non, je ne suis pas sûr. Je suis très content encore de ton émission. On a parlé de beaucoup de choses, Maurice, avec Yann Davon et d'autres personnes comme Céline et les autres personnes qui étaient ici présentes. C'est très dur parce que j'ai fait de la radio quelques je t'en ai parlé, Maurice. Et, c'est une conclusion, hein. Après, faut dégager la place pour les suivants. Hein. Ah. Que tout ça, tu peux nous le dire demain, par exemple. Et dis-moi la musique que tu mettais dans le fond sur Skyrock. Ouais. C'est pas... Non, c'est... Voilà. Mais sinon, j'adore et je reviendrai. Allez, recadrons les bonnes nuits. Merci d'être venu. La conclusion de Céline à Paris. Oui, mais écoute, moi, voilà, juste une petite piquée sur le fait que l'argent n'achète pas tout. Et encore moins la santé, et puis encore moins la réflexion. En fait, c'est un truc, voilà. On peut avoir plein de thunes et puis ne pas pouvoir faire face à tout. Et c'est bien d'avoir un esprit, d'avoir un peu de réflexion, un peu de jugeote parfois. Et puis un peu de bienveillance aussi, parfois aussi, pour se dire que c'est malheureux, mais qu'on on est tous égaux. Et à un moment donné, je pense qu'on est un peu à pouvoir un truc. Et que c'est bien de le considérer comme ça. Parce que sinon, ça fait un peu des dégâts. Enfin, voilà, c'est juste ça. Et puis sinon, pour ton repas de Noël, Maurice, on en reparlera parce que franchement, là, bon, non. j'ai pas adhéré. Mais bon, c'est perso. Merci à toi et à bientôt. Ciao. Ok, non, les bonnes nuits. Merci d'être venu. La conclusion de Dom à, dans le Minnesota à Minneapolis. Ouais. Y a les sirènes là, tiens. Écoute, ça m'a fait plaisir de finir l'émission avec vous. Alors pour une fois, j'ai un truc qui n'engage que moi et pas toi, Maurice, sinon ils vont te retirer de ton visa. Donc souvent, Céline me chambre parce que je critique la France. Et en fait, nous, on a trouvé notre idiot du village. Donc il s'agit du fils de notre président. Donc si vous avez suivi les infos, il y a une enquête en ce moment du procureur Muller. Et il a
donc Donald Trump Jr., avait été contacté sur Twitter, donc c'est public, par des Russes, et il leur a répondu. Donc, les hackers russes lui disaient bah, « on a peut-être des infos intéressantes pour faire tomber Hillary Clinton », et lui, sur Twitter, il répond. Genre « ah ben oui, c'est bien, on devrait en parler, ne le dites à personne hein. ». Donc c'était moi j'ai trouvé ça fantastique. Ça rejoint aussi à la conclusion de ce pas parce que t'es intelligent, parce que lui il est du fric apparemment, il y a accès. Mais j'avais l'idiot du village là, on en a trouvé un. Donc il s'agit de Donald Trump Jr., le fils. Bon le père il est un peu bête, mais le fils alors je crois que voilà. C'est encore mieux. Désolé, ma conclusion est pas très. Elle est un peu triste pour nous, ma conclusion, mais voilà, c'est les infos sur l'enquête sur le gouvernement. Ouais. Et joyeux Thanksgiving. Ouais, happy Thanksgiving. Exactement. Tu vas manger la dinde ou quoi? La dinde à Saumur. J'ai un peu de mal. Ouais, mais nous, c'est pareil. Nous, on fait du canard. On les laisse tous manger la dinde et puis on va s'acheter du canard. On fait du canard. Ouais. C'est, la dinde, c'est vraiment. C'est pas très bon, en fait. Moi, c'est le saumur que j'aime pas. Sauf si t'es invité à ce moment-là. Tu fais bonne figure. Ouais, hein. Voilà, t'es invité. Et ouais. Ouais. Mais ouais. De faire bon. Bonne figure. Ouais. Bah, on est invité, d'ailleurs. Ouais. Manger, ouais. C'est sûr. Ouais. Bon ok, mais je te fais pas faire trop d'heures sup. Merci bien pour tout, j'écouterai le podcast et puis bonne soirée à vous tous. Ok, non, et bon après-midi à toi, merci d'être venu. Ciao, bye bye. J'adore cette émission, je suis vraiment très content de passer mes soirées avec toi. Message pour finir, un message de Jérôme, 44 ans, Orléans. Un médecin se forme, se bat contre une maladie, des maladies avec une conviction je pense. Un cancérologue va se battre contre le cancer. Mais même si c'est Johnny qui paie, peut-être les hors-forfaits sans souci, qui en plus ramène 500 caméras, il faut prendre en compte la pression du cancérologue, celui qui aura sauvé ou pas Johnny. Ce n'est pas son quotidien, et pour ce cancérologue, Johnny n'est pas 99% de son taf et de son application, mais il aura la pression médiatique qui salir et ternir toute son application envers le cancer. T'es humble envers les personnes qui ont un savoir, qui sauvent et soignent énormément de personnes et accorder l'impuissance face à la maladie. Les fois où il n'a pas rien pu faire ou plus que de mieux. Ça doit pas être tous les jours et il y a sûrement des soirs où s'endormir calmement doit être difficile. Rock and roll et bonne soirée. Pareil, oui. Que c'est le cancérologue qui soigne que les stars. Bon, sa vie, ça ne doit pas être simple. Je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma mise sur YouTube. Et bien entendu, on fera plus long. Hein. On fera plus long bientôt. On va faire plus long si c'est bien. Mais n'oublie pas de dire à tes amis de s'abonner. Parce que c'est plus simple quand il y a plus. Il paraît que c'est plus mieux de faire ça. Je vais te laisser avec un joli morceau un peu sautillant, qu'il faut mettre un peu fort.